Salut tout le monde, c'est le Dr Sissot et on se retrouve pour un nouveau let's play, cette fois-ci sur Remember Me, un jeu que j'attendais impatiemment. C'est édité par Capcom et c'est développé par Dontnod Studio, un studio français. Et là, on va voir tout de suite qu'est-ce que ça en dit. Alors déjà, on choisit l'emplacement de sauvegarde. Alors on joue sur la version PC, mais je joue à la manette pour plus de confort. Alors on va tout de suite regarder déjà pour vous, si est-ce qu'on va attaquer. Paramètres du jeu... sous-titres... Oui, voilà. Sinon tout le reste je pense que c'est bon. Donc on recommence une nouvelle partie. Alors, pirate en herbe, apprécie l'histoire, pas besoin d'être le meilleur combattant du monde. Agent héroïste, un challenge idéal pour les joueurs réguliers. Chasseur de souvenirs, testez vos limites. Bah, on va dire c'est le mode normal, hein. C'est agent héroïste. On le fait parce qu'on n'est pas des Kiku, mais on n'est pas des PGM non plus. On y va. Quand le bateau a coulé, j'ai été la seule réfugiée à gagner la rive. J'ai serré la main de mon mari jusqu'à la dernière seconde. Je sens encore la force de ses ongles contre mes doigts. Vous savez... Cette première nuit où il m'a dit « partageons nos souvenirs », je me souviens que j'étais un peu inquiète. Mais il a souri et on a appuyé en même temps. Tout à coup, j'ai tout ressenti. Pour la première fois, je vivais tout son amour pour moi. C'était tellement chaud et fort que ça faisait presque mal. Ça va faire 3 ans que nous vivons chaque jour, comme le premier. Il faisait tellement chaud ce jour-là. Et il y avait cette odeur tenace de plastique brûlé dans les rues. J'ai marché à travers la ville avec les autres enfants jusqu'à ce qu'on arrive tous à la sortie de Paris. Personne n'a tiré. La guerre était terminée. Je sais pas si j'aurai le courage d'offrir un jour tous ces souvenirs à mon fils. Mais je suis soulagé de savoir qu'ils sont à l'abri de tout risque. Grâce à mon Sensen, je choisis de me souvenir des moments importants de ma vie. Bon ou mauvais. Grâce à mon Sensen, mon mari est encore bien vivant. Là. Et là. Remember life, life remember. Sensen, version 6. Ça, c'est à mon avis, c'est le futur iPhone, hein. Fabriqué par Memorize. Épisode 0. Donc, renaissance, réinitialisation. Donc, en gros, le jeu sera basé sur des épisodes. Je ferai des vidéos, justement, en conséquence sur chaque épisode. Donc, elles seront plus ou moins longues. Ça, c'est l'héroïne qu'on joue. Mémoire du sujet effacée. Sensen en attente de nouveaux contenus mémoriels. Bonjour, vous m'entendez? Alors, je sais pas si vous arrivez bien d'ailleurs parce que oui. Les sous-titres sont super petits. Je suis désolé. Quel est votre nom? Mylène. En quelle année? Répétez ça. Mylène. Tête de méchant. Mince. C'est une première. Pas grave. On raclera les derniers souvenirs. En quelle année sommes-nous? Je sais pas. C'est 2084. Vous savez où vous êtes? Non. Pas si résistante que ça, finalement. Merci pour votre coopération. Docteur Quaid? Oui. Ce sujet se montre résistant. Achevez le protocole de substitution,
Puis, envoyez-la moi. Je me chargerai d'effacer ces dernières réticences. Bien, docteur. Contrôler le personnage. Levez la tête, s'il vous plaît. Ah bah voilà. Petit verre pour regarder autour de nous. Ah. Oh. Arrête! Voilà! Merci! Maintenant, levez! Le skate complété. Elle pour me déplacer. Capcom Presents! Veuillez suivre la ligne orange jusqu'à votre prochaine affectation. Non, je veux pas. Où suis-je? Allez, on va continuer. Alors, ça, c'est. Maintenant, ça commence à être typique, c'est des intros. Où on contrôle le personnage pour voir. Ce qui se passe autour, dans Batman notamment, dans Tomb Raider aussi. Je me souviens et de rien. Et en même temps, il y a le générique qui est diffusé. Ça devient assez récurrent et bon, bah, c'est toujours un petit effet. Ça permet de mettre l'ambiance. Ah, un peu long. Seule fille. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Avancez. Allez, on avance. Évidemment. Ah, d'accord, je peux pas avancer. Nilin. Tu m'entends? Oui. Ils vont t'effacer la cervelle, Néline. Ne les laisse pas faire. Je vais provoquer une diversion. Sois prête à bouger quand je te le dirai. Qui êtes-vous? Je suis la voix que tu dois écouter si tu veux vivre. Secret Story avait commencé, même dans les jeux. Merci de faire la queue et d'attendre votre tour pour vous asseoir sur le fauteuil. Réseau, mise en quarantaine provisoire. Merci de passer. Restez en ligne. Ça a attiré leur attention. Nilin, le grand volet métallique va se lever sur ta gauche. Okay. Si tu m'as compris, bouge la tête. Okay. Je suis branché sur ton sensen. Je le sentirai. La porte passe en dessous, maintenant. Allez, cours. Apparemment, t'as un peu du mal. Donc ah oui, pour info, bah, ça a été dit dans la cinématique du début, mais le jeu se déroule à Paris. À Paris, donc j'ai hâte de voir les monuments parisiens version futuriste. Ah, bonjour. Oui, moi je suis toujours poli, je dis toujours bonjour à tout le monde. Bon bah... c'est Iron Man. Patient repéré en zone interdite. Déploiement de l'unité de coercition. Ouais, bah vous voyez que je vais bouger. Bon bah Iron Man il est pas content. Ah là il est bon. Ok, cours. Là je monte. On court. Oh, oh.
passage sur ta droite. Prends-le. Ok. Relève-toi. Tu dois continuer. Et là, on marche normalement, tranquille. Qu'est-ce qu'il y a ? Hein ? Je peux même courir. Olivier Derry. Hein ? Où suis-je ? On se croirait dans... Tu y es presque. Là, on se croirait dans Star Wars, cette 5. Vous avez la salle où Han Solo se fait... cryogénisé... pour être vendu. Alors, attention à ce que je dis. Mais les gens sont encore vivants. Dirigé par Jean-Maxime Maurice. C'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche. Pierre Soulage. Des belles petites phrases de poésie. Niline, est-ce que ça va ? Non ! Je veux sortir d'ici! Fais-moi sortir d'ici! Calme-toi. Je m'appelle Edge. Fais-moi confiance, Frangine. Je l'ai fait, Frangin. Et me voilà enfermé dans un cercueil. Je dois te préparer à ce qui t'attend à l'extérieur. L'ennemi, c'est Memorize, une société qui fait le commerce des souvenirs numérisés. Ils appellent cette technologie le Sensen. Et le monde entier y est accro. Tu suis? Oui. Tu étais une chasseuse de souvenirs, Niline, la meilleure. Les autres chasseurs pillent les souvenirs. Toi, tu les remixes. Et surtout, tu es une erroriste, comme moi. Pourquoi ils m'ont fait ça ? Tu étais une révolutionnaire. Mon meilleur agent. Nous nous battions pour qu'aucune société ne monopolise les mémoires. Mais j'ai échoué. Nous avons été arrêtés et emprisonnés. C'est vraiment très intéressant, mais j'aimerais vraiment sortir de ce cercueil. Maintenant ! Les courants vont t'emporter jusqu'au slum 404. Une fois débarqué, je t'expliquerai mon plan. Remember me. Épisode 1. Ah bah, ça va être la fin de cet épisode. Mauvaise vie, mauvaise techno. Bon alors je vais laisser la cinématique et on se dira à la prochaine vidéo. La gouvernance. Écoute, Johnny pleure. Qu'est-ce qu'ils sont très moches là. Douleur partagée maintenant.
peur perdue partie. Maintenant. La douleur est partagée maintenant. La peur est partie. Peur. Peur. Perdu. Perdu. L'arme est choix. Et pourquoi pas, ami? Ouais. Je suis pas de la tribu, c'est ça? Ouais, et bah... Hop là, on s'arrête ici. On va s'arrêter sur un futur combat, je pense, qui va être dantesque les débuts. En tout cas, n'oubliez pas de mettre un pouce vert, de partager et de commenter. Et moi, je vous dis... Et déjà, je vous remercie aussi de regarder ces vidéos, et je vous dis à bye bye, et à une prochaine vidéo. Ciao !